Bon, alors aujourd'hui c'est une console Yeno Super Cassette Vision qui est vendue avec 7 jeux, dont 3 qui sont en boîte. Les boîtes sont pas en bon état, elles ont un peu pris l'humidité, on va dire. Et une seule à la notice, c'est Elevator Flight. Une notice qui est un peu fatiguée, mais enfin qui a le mérite d'être là. Alors ça se branche sur un câble Péritel, tout simple, avec une alim. Bon, l'alim est fournie avec, et le câble Péritel aussi, bien entendu. Voilà, donc je l'ai mis en test, qui fonctionne bien. Là, j'ai mis Battle in Galaxy. Alors je teste une manette, voir si ça marche. Push Select Key. Alors, évidemment, je sais pas lequel c'est. Sur 1, voilà. Start Button. Alors, je teste pour voir si la manette est bonne ou pas. La manette fonctionne, ouais, je tire. Je fais bouger. Voilà, elle marche, nickel. Alors, ensuite, deuxième manette. Pour voir si elle fonctionne aussi. Alors, elle marche très bien aussi, comme on peut voir. Voilà. Donc ça fonctionne, ça marche, on peut même mettre un autre jeu, faire le test, voilà, ça s'enlève comme ça. Je prends celui-là, je sais pas, Sky Kid. Voilà, Sky Kid, il marche. Pour le mettre en route, il faut appuyer sur le bouton. Voilà, Start Button. Bon, c'est pas une Xbox 360, mais enfin, bon, la boîte est plutôt en bon état. Voilà, voilà, un peu scotché, mais correct. Voilà. Donc bonnes enchères. Et amusez-vous bien avec cette relique. On va essayer d'en trouver d'autres. Il y a le choix pour mettre des trucs pas mal. Voilà, merci.